Il ne s'agit pas de dire que je veux toucher les gens, je veux influencer les gens. Non. Où est-ce que tu choisis d'aller vivre? Le genre de bailleur que tu fais l'effort de ne pas payer son loyer? Même en tant que locataire, toi qui vas être leader, mets la priorité pour payer ton loyer. Donc, ça doit devenir une priorité pour toi que non, gars, je dois régler mes employés. Il y a des gens ici là que vous employez les gens. Depuis 3 mois, vous ne les avez pas payés. Peu importe les excuses que vous me donnez. Le leadership commence d'abord par les objectifs que tu te donnes. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'ils sont rares. Ce monsieur me dit que mon patron, il a mené ce chantier. Il y a des choses ici là qu'on a installées, que ça vient de l'Europe. Et au lieu de précipiter pour qu'on prenne les faux carreaux ici, il met dans le conteneur au Canada. Ça prend 3 mois pour arriver au pays. Il y avait sa mini baignoire là-bas. Je ne sais pas qu'avant, à l'ancien temps, les Français avaient des mini baignoires. Tu regardes, ce n'est pas l'évier, ce n'est pas la baignoire, ce n'est pas le jacuzzi. C'est mini comme ça. On dit que tu t'assois dedans, tu mets tes pieds. Il dit que ça là, c'est venu d'Italie. C'est venu d'Italie. Le leader, c'est quelqu'un qui a des principes qu'il ne peut pas osciller. Et c'est quelqu'un que tu ne peux pas t'asseoir quelque part en train de gâter son nom. C'est que la personne qui est en train de gâter là ment. Tu sauras que soit c'est toi qui mens, je sais que ça ne peut pas être l'autre personne. C'est ce qu'on manque de nos jours. Tout le monde veut tirer la couette de son côté. Tu rencontres un homme, il veut te mentir parce qu'il veut se coucher avec toi. Et puis quoi? N'aie pas peur d'être seul, je vous ai bien dit. Un leader sera appelé à être seul pendant un moment. Ça commence d'abord par tes devoirs. Les gens aiment revendiquer les droits. J'ai droit à ça. Quel est ton devoir vis-à-vis de la personne à qui tu revendiques? Tu t'assures que quand il me lève, je dois faire ça à temps. Il y en a ici là qui fait l'effort pendant 2-3 mois, vous payez votre loyer à temps. Porte même 3 mois de loyer, tu payes. Oh, tu vas te sentir différente. Tu vas te sentir différente. Et les femmes qui se font menacer dans les relations là, beaucoup c'est vous qui avez accepté. Oh, ping. Tu as accepté. Parce qu'on a, tu as, au début, il a commencé, tu as, tu le rencontres, premier rendez-vous. J'arrive, 20h. Il vient à 20h15. Il ne s'excuse pas. Tu laisses passer. Première erreur. Ah, ça fait quand même 6 mois que je n'ai pas eu de gars. Je n'ai pas mangé de chocolat. S'il parle ici, il va fuir. Laisse-le, il fuit. Voilà ton premier signe. Quand vous allez au fond, mais il y avait des employés parfois que j'ai gardés parce qu'ils me disaient que, ah, maintenant, je préfère qu'un poste soit vacant. Je paye le loyer 2 mois en attendant de trouver la personne. Si tu viens, tu ne veux pas t'aligner avec ce que l'entreprise a demandé. Parce que tu vas impacter sur les clients qui viennent chez moi. Pensez que le leadership, c'est plus de devoirs que de droits. Et quand tu commences à remplir tes devoirs, s'il vous plaît, écoutez la partie ici. L'univers va te payer tes droits, pas ton patron, pas ton mari. L'univers lui-même va dire que gars, la fille s'est remplie toutes les conditions. Donnez-lui ça en avance. Donnez-lui ça par imprévu. Donnez-lui le... J'ai trop de témoignages. Ma propre vie, hein, pas seulement pour vous qui travaillez sur vous. Ma propre vie. Ma own life. Tu restes comme ça. Tu dis que voilà comment je fonctionne. Parfois, vous avez remarqué des mariages où tu arrives. La femme est comme ça. Regarde bien les fins de mois. La femme a toujours de l'argent. Même le 30 du mois, elle a l'argent. De l'autre côté, son mari, dès le 15, parfois même 2 jours après le paiement. Ouais. Nourris même les enfants. Non, je vais te donner l'argent après. C'est juste parce qu'elle ne sait pas qui elle est. Elle va te accepter. Et elle ne sait pas que le pigeon avec lequel elle fonctionne, ou il, bien sûr. Je n'ai pas dit que c'est seulement les hommes qui sont comme ça. Tu peux avoir un homme qu'il veut bien.
J'ai un ami ce matin. Je l'appelle, je dis, waouh, vraiment, grand homme, je te respecte tellement. Sa femme commence à l'insulter devant moi au téléphone. Je dis, mais gars, aigle et pigeon, ça ne va pas. Je dis que, pas, je commence à la présenter, je dis que, gars, bon, ok, je vais envoyer un jour là, tu donnes un peu à notre mère. Vraiment, en tant ok. Elle commence au téléphone. J'en entends seulement en background. Oh, oh, tu n'as pas fait comme ça. Et ça m'a dit bye. J'ai fui. Ce genre de personne va sucer ton énergie. Te fait même penser aux choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Imagine qu'une femme te stresse. Parfois, tu vas me fuir pour aller rester dehors. Pourquoi? Parce qu'au départ aussi, il faut avoir quand même que tu n'as pas bien choisi, non? Hmm? This is life.